directeur de société pétrolière opérant dans l'exploration et production de notre pays. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, représentants des sociétés de services, de prestations, de sous-traitance. On m'avait dit que le président Nkomo ne serait pas là, finalement je le vois au bout de la table, donc désolé de ne citer que maintenant, on ne m'a pas rappelé pour me dire que Fermi serait là. Merci de votre présence, monsieur le président de Unicongo. Mesdames et messieurs, nous sommes en effet, comme l'a dit le modérateur, réunis aujourd'hui autour du décret numéro 2023-1737 du 12 octobre 2023, fixant les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA au secteur pétrolier amont. Ce décret vient en réalité modifier le décret précédent qui date de 2001, décret numéro 2001-522 du 19 octobre 2001, fixant les modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au secteur pétrolier. Décret lui-même pris en application d'une loi, loi numéro 1297 du 12 mai 1997, portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée, loi qui, à ma connaissance, n'a jamais été abrogée. Ces décrets, évidemment, tiennent compte des textes qui régissent notre métier. Dans l'amont pétrolier, il s'agit du code des hydrocarbures. Le précédent avait été pris en 1994 et donc le décret que j'ai indiqué tout à l'heure de 2001 était pris non seulement à l'application de la loi, mais aussi du code précédent. Le décret actuel est pris non seulement en fonction de la loi qui n'a pas été abrogée, mais aussi du code des hydrocarbures de 2016. Je voudrais indiquer que par ailleurs, le décret est pris en stricte application d'une directive de la CEMAC. Les directives de la CEMAC ont valeur d'application immédiate. Ce n'est pas une recommandation. En l'espèce, il s'agit de la directive numéro 1122 CEMAC UEAC 010A CM38 portant harmonisation des législations des États membres en matière de TVA. Le décret qui fait l'objet de notre réunion est donc pris en application de cette directive. Il date du 10 novembre 2022. Il y a, m'attendu, beaucoup de juristes dans la salle, des avocats. Ils ont pris la peine de parcourir cette directive. Ils ont pu se rendre compte que, à plusieurs points de vue, le décret dont on s'agit aujourd'hui ressemble en tout point à la directive. Je voudrais ajouter, et ce n'est pas du tout pour vous effrayer, puisque nous sommes là, que ce décret a été pris en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Il y avait le leadership de la rédaction de la proposition, avec le Fonds monétaire international, avec qui nous sommes en programme, vous le savez,
Et c'est donc avec cet ensemble d'acteurs, mais aussi toutes ces considérations, qu'a été produit ce décret adopté en Conseil des ministres. Néanmoins, et parce que nous essayons autant que possible au niveau du gouvernement général, mais aussi au niveau du ministère des Outre-mer, de faire avancer les réformes et les transformations, les évolutions de façon participative, il était prévu, dès la prise de ce décret, que nous fassions une campagne d'information, d'explication, de sensibilisation sur ce décret, ce que malheureusement, les calendriers des deux ministres les plus concernés, le ministre de l'économie et des finances et le mien, n'ont pas permis d'être ensemble ici à Pointe-Noire. Il était prévu d'ailleurs qu'aujourd'hui, nous puissions vous rencontrer ensemble. Il est malheureusement pris par d'autres obligations et donc c'est à la fois à son nom et au mien, mais aussi au nom du gouvernement que je tiens cette réunion. Et donc cette réunion aurait dû se tenir depuis longtemps, à l'effet de vous sensibiliser, vous informer, et si possible d'expliquer. Mais tenant et aboutissant, les principes directeurs, voir avec vous si nous avions bien pris en compte tous les aspects. Elle se tient donc aujourd'hui. Je viens ici essentiellement pour vous écouter. Il y a avec moi une très grande équipe du gouvernement, à la fois mon directeur de cabinet, les directeurs généraux, le ministère des Eaux et Carburants, plusieurs conseillers du ministère des Eaux et Carburants, mais aussi des conseillers d'autres ministères, notamment celui du ministère de l'économie et des finances. Nous venons donc ici essentiellement pour vous écouter. Nous sommes en train de vous donner des explications qui nous sembleront à notre portée. Au besoin, nous avons à Brazzaville un back-office avec plusieurs conseillers qui ont participé étroitement à la rédaction de ce décret et nous pourrions les associer aux explications. Et si malgré tout il demeure des zones d'ombre, ou si au contraire il y a des axes d'amélioration, soit du texte, soit de sa mise en œuvre, je me ferai le devoir d'en rendre compte d'abord à mon collègue ministre de l'économie et des finances, pour que nos équipes analysent cela, et si besoin est nécessaire, de nous rendre compte au gouvernement pour prendre les dispositions requises. Les institutions avec lesquelles nous travaillons, nos gouvernements, aussi bien la Banque mondiale que le Fonds monétaire international, ou encore la CEMAC, considèrent que nos pays ne tirent pas suffisamment profit de leurs ressources naturelles. Je dis bien Banque mondiale, Fonds monétaire et CEMAC en particulier. Et pour eux, une des raisons, c'est que nous accordons trop de faveurs aux entreprises en général, et aux entreprises pétrolières en particulier. Elles sont convaincues, même s'ils admettent que dans le cadre de l'application du Code des investissements, qui permet de disposer de conventions d'établissement, de conventions avec le ministère de l'économie et des finances, prévoyant des périodes de suspension, de gel, certain nombre de types d'imposition, de façon à favoriser l'émergence de projets, la mise en œuvre de projets, même si
pardon, il considère que l'industrie pétrolière étant notre première activité économique, étant éminemment capitalistique, mais également risqué, il est normal que nous puissions accorder quelques faveurs à ces entreprises qui viennent nous garantir le développement de cette ressource naturelle. Ils comprennent tout cela, mais ils sont convaincus que les faveurs, c'est comme ça qu'ils les appellent, que nous accordons aux entreprises sont excessives. Que nous n'avons pas la maîtrise et le contrôle. Il y a beaucoup de déviations dans ce cadre-là. Et donc, on fait de la lutte contre les exonérations un de leurs plus grands chevaux de bataille. Et nous passons notre temps à essayer d'expliquer qu'elles ont entièrement raison. Mais de temps en temps, elles épinglent des situations qui montrent que oui, peut-être qu'on n'est pas si vigilant que ça. Donc, le décret, je vous l'ai dit, a été rédigé en application d'une directive de la CEMAC, a été traité dans une collaboration très étroite entre la Banque mondiale, le Fonds monétaire et le gouvernement congolais. Vous voyez, Banque mondiale et Fonds monétaire qui interviennent partout dans le monde. J'ai donc jugé nécessaire de repréciser les choses en matière de TVA chez nous parce qu'ils sont quand même territoriaux. Donc, l'objectif, ce n'est pas de rendre la vie difficile à qui que ce soit. Mais c'est de s'assurer que les dispositions qui permettent à quelques-uns, dans certaines circonstances, pour des activités précises, d'être exonérés de fiscalité, que tout cela est parfaitement encadré. Et si le texte n'a pas correctement retranscrit l'esprit, eh bien, on corrigera. Donc, nous allons continuer le dialogue, clairement. Je redis au président de la Fédération, les problèmes de crédit TVA, envoyez-nous le dossier. Et ensuite, probablement, il faudra venir à votre avis parler avec les experts du ministère. Puis ensuite, nous irons voir ceux de l'économie et finances pour voir ce que l'on peut faire rapidement. Donc, j'espère que le dialogue va reprendre avec les sous-traitants pour voir comment avancer. Pendant que nous allons faire ce travail, j'espère qu'ici, entre donneurs d'ordre et entreprises de services et sous-traitance, un dialogue va se profiler en veillant autant que possible à respecter la loi et les règlements. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation importante. Merci pour votre disponibilité. Bon travail à tous. Je souhaite plein succès à notre industrie et à travers vous. Mesdames et messieurs, je vous remercie.